Bien bonjour les amis, c'est Clemska, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale. Je préfère vous prévenir tout de suite, c'est une vidéo vraiment un petit peu spéciale. La voiture elle est déjà passée sur la chaîne quand on a été la chercher justement à la concession avec le propriétaire. Mais en fait aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la deuxième partie de la vidéo. Ce qu'on va faire, c'est que on va faire l'essai routier. Et on va discuter un petit peu avec le propriétaire pour qu'il nous explique pourquoi avoir choisi ce véhicule plus en détail, vu que sur la première vidéo, on n'a pas eu le temps. Je m'en excuse. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons présenter en détail le véhicule de notre cher ami Sylvain. Sylvain, bonjour. Bonjour à tous. Tu vas bien? Ça va, nickel. Alors, ça fait combien de temps que ça fait combien de temps qu'on a été chercher la M? Ça va faire 15 jours, 3 semaines. Ouais, peut-être un mois, peut-être. Déjà? Ouais, peut-être. Moi, je dirais plus 15 jours. 3 semaines, ouais. Ouais, 3 semaines. Ouais, un bon 3 semaines. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire en détail depuis que tu as le véhicule? Maintenant, vu que tu as le véhicule, on va se rapprocher du véhicule. Alors, vu que maintenant, tu as le véhicule et que tu as quand même conduit, on va dire, 3 semaines, ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur tes ressentis aujourd'hui, mon cher ami? C'est complètement différent de la Golf. Ouais. Ça n'a rien à voir. Le Golf, c'est un 4 cylindres turbo. Ouais. 2 litres. Là, on est sur un 6 cylindres en ligne de chez BM. D'accord. 3 litres turbo. Ouais. Donc, elle est 2018, donc c'est les dernières phases de moteur, dernière phase de boîte. D'accord. Donc c'est une boîte auto 8 rapports, c'est le moteur de la M3 qui est dedans. Ah carrément. Un petit peu bridé. Mais ça marche quand même. Ça marche très bien. Ouais. T'en es pas déçu? Non. Est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, vu que tu as roulé un petit peu avec le véhicule, est-ce que tu as des choses que tu pourrais lui reprocher, admettons? Franchement non. Non? Non. Au niveau du confort. Et la consommation, parce que le prix de l'essence est cher, mais. Ouais. Mais sinon, dans le confort, c'est top. Les sièges sont incroyables. C'est une X-Drive, donc. Tenue de route, c'est. Elle fait pas peur. Elle est ultra saine. Même en Sport Plus, ça tient. Ça le décroche pas. T'as essayé? Ouais. Et alors? Non, ça t'as, t'as, vra- ça t'as vraiment une différence quand même par rapport à la dernière fois sur la vidéo qu'on avait regardé au niveau sport, et on a vu qu'on avait Sport Plus. Ouais, sport c'est un peu sportif, mais elle développe pas toute sa puissance. Ouais. Sport Plus, il y a les aspects déconnectés. Ouais. Et tu sens qu'elle retient vraiment pas la puissance. D'accord. Si elle part, elle part. Voilà. Et après, je peux encore déconnecter le DSC. Et là, vraiment, elle est toute déconnectée. Et là, ça peut faire peur. Parce que là, on déconnecte vraiment et on revient sur une propulsion. Quasiment, ouais. Je pense qu'elle n'est pas propulsion 100% vu qu'elle reste en X-Drive. Ouais. Mais je pense qu'elle est 70 à l'arrière, 30 à l'avant, je pense. Ouais. Donc, si on accélère trop fort, sortie de courbe... Ça peut faire un tête à queue. Ouais, ça peut glisser, quoi, un petit peu. Donc là, c'est quoi comme couleur? C'est un gris quoi? C'est un minéral gris. Minéral gris. On va faire un petit tour de la voiture. Alors, on est sur des étriers bleus, comme j'avais dit dans la vidéo précédente. J'entends 19 là-dessus. 18. 18. Et les pneus, c'est du 225 à l'avant et 245 à l'arrière. Ah ouais? Donc les pneus sont plus larges à l'arrière qu'à l'avant. D'accord. Ah, ça fait quand même une belle voiture. Donc après, on a sorti Rémus. Tu t'es renseigné un petit peu si c'était une ligne complète ou si c'était juste la sortie? Je sais pas. Le garage n'a pas su me dire. Ils ont le certificat de Rémus. Donc c'est officiel Rémus. D'accord. Par contre, ils savent pas si c'est complète ou pas. Ok. Et j'ai pas eu le temps de regarder. Donc, ouais. Je sais pas. Mais c'est une bonne voiture, t'en es content? Ouais. Elle chante très bien. Ouais. Vu la ligne. D'origine, ça chante bien, mais ça chante pas comme ça. D'accord. Et non, ouais, franchement, j'ai rien à lui reprocher. La boîte, elle est top. Le moteur, il est incroyable. Le confort, il est excellent. Ouais. Donc non,
5 portes, pas de pratique. Donc non, j'ai rien à lui reprocher. Futur enfant ou pas ? Elle fait tout bien. Pour l'instant, non. Après, ça peut arriver. Ouais, vu que là, t'as pris une 5 portes, on se pose des questions quand même, vu qu'avant, sur le 7R, c'était une 3 portes. On peut se poser la question, non, cher ami. C'est quand même si pas d'enfant ou quoi, c'est plus pratique une 5. Ouais, c'est vrai, on est d'accord. Si on monte des gens à l'arrière, pas besoin de descendre à chaque fois, tirer les sièges. Ouais, ça, c'est une horreur. On ouvre la porte, on monte et c'est parti, quoi. Eh ben, on va ouvrir le compartiment moteur et puis on va regarder un petit peu ce qui se cache là-dessous. Mais moi, en vérité, les amis, moi, je la trouve magnifique en voiture. Je la trouve très, très élégante. Très, très élégante. Et par contre, les amis, je vais faire venir quelqu'un dans la vidéo parce que c'est quelqu'un aussi qui est passionné d'automobile comme nous. Donc, Xavier, tu peux venir, s'il te plaît ? Salut, Xavier. Heureux. Ça va la forme ? Ça va et toi ? Impeccable. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la petite M de Sylvain ? Pour toi, tes avis ? Je valide complètement. Ouais. Franchement, c'est une belle suite logique après la Golf. Ouais. Moi, comme j'ai dit, j'étais. Comme j'avais dit dans ta vidéo il y a 2 ans, là, dans le GTD, que je voulais une Golf 7R. Ouais. Parce que c'était la voiture qui me fait rêver depuis voilà, X années. Mais si j'avais pas été autant à fond sur cette voiture, franchement, c'est un truc que je kiffe. Ouais. Ouais. Ça pourrait même. Enfin. Je sais pas, je fais des plans sur la comète là, mais. Après t'aurais pu craquer quoi. Ouais, là, complètement. Et même après une 7R, ça c'est. Il passe sur un 6 cylindres, c'est plus neuf. Enfin non, c'est une belle caisse, hein, franchement. Ouais, c'est vrai. Puis ça marche fort. Hein. Bon, on va voir. On va voir les routiers après. Hein, donc, ça, la sonorité est dingue. Ouais, on va voir ça, on va voir ce que ça dit. Super caisse. Donc voilà le fameux compartiment moteur du petit BM avec le petit M Performance bien évidemment. Moi il y a juste un truc que je pourrais reprocher à ta voiture Sylvain, il manque juste un truc, il manque juste une petite barre anti-rapprochement en carbone. Ça c'est sur les... c'est pas une vraie M, hein. C'est M2, ouais, M3, M4. C'est sûr, ouais, c'est ça. Ouais mais ça pourrait habiller quoi on va dire les gars. En vrai. Ah oui ça peut habiller, oui. Ça peut te déshabiller de 5000, mais. C'est ça. Carbone n'est pas donné. Ouais, c'est ça. Surtout le MPR. C'est ça. Donc voilà. Là, on est sur un combien de cylindrés ? On est sur un 3 litres de cylindrée, 6 cylindres, 340 chevaux. 500 Nm de couple. C'est correct. Et pour toi, là, elle est d'origine, là, elle est full stock, ouais. À part la ligne, quoi. Elle est complètement d'origine, à part la ligne. À part la ligne, bien évidemment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit essai routier, puis on va voir ce que ça dit plus en détail, le petit BM de Sylvain. Bon, les amis, je vous retrouve à bord du véhicule et on va faire un essai. À tout de suite, les amis. Bon, voilà, nous sommes à bord de la petite M140i avec Sylvain. Donc, Sylvain, tu peux démarrer le véhicule, qu'on entende le son de l'intérieur. Ça chante. Ça chante. Alors, Sylvain se prépare. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Là, c'est tout ce qui est newton mètre et les chevaux. Ouais, c'est l'affichage de performance. Ah, c'est l'affichage performance. Oh, j'ai du mal. Allez. Ça montre en instantané combien elle délivre de chevaux et de couples. D'accord. Eh ben, c'est parti, nous y allons. Oh ! C'est un peu raide quand même, hein. C'est ferme, mais c'est pas raide. Je me rappelais pas que c'était si ferme que ça. Ça course quand même. De la première vidéo quand
c'était juste la vidéo d'aller chercher le véhicule chez le concessionnaire. Aujourd'hui, c'est l'essai. Je préfère le préciser pour la deuxième fois. Et alors d'aujourd'hui, tu serais prêt à la vendre la BM ou pas? Non. Non. Je viens de la voir, donc non. Et non, c'est vraiment... incroyable. C'est vraiment ce que tu recherchais, quoi. Ouais. C'est vraiment incroyable et non. Je pense que je vais la garder plus longtemps que la R. Ouais. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5, 6. Parce que la Golf, tu l'as gardée combien de temps? Je l'ai gardée 1 an et demi à peu près. 1 an et demi, c'était? Ouais. Ouais. D'accord. C'est le dernier 6 cylindres sur les séries 1. D'accord. Les nouvelles, celles de 2022, ouais, sont en 4 cylindres. D'accord. Donc ils font comme Mercedes, ils downgrindent un peu les moteurs et c'est triste. Ouais, c'est triste d'en arriver là, mais bon, à droite là, s'il te plaît. Voilà, le petit retour, le petit pop qu'on a entendu, je sais pas si on l'entendra en vidéo, mais bon, on l'a bien entendu. Et ben, c'est quand tu veux, si pas. Ça marche fort, hein! C'est impressionnant, Sylvain! J'étais vraiment pas prêt, les amis! C'est ouf, hein! Là, on est sur une petite route de campagne où il n'y a personne, donc on peut se permettre 2-3 accélérations, histoire de dire, mais tout en respectant les limitations de vitesse, s'il vous plaît. Et les amis, faites pas les fous sur la route! Cela ne sert strictement à rien! Oh là, ouais, je sais pas si vous avez entendu, mais on a entendu le petit pop là, les amis, ça a bien claqué là. Respectez le voisinage. Tellement vite que ça freine bien 3 fois. Voilà. Après c'était compliqué, mais là non, c'est ça mord bien, ça freine bien, ça chauffe pas trop les freins. Ouais. C'est top. Et au niveau confort, franchement, moi je me trouve super à l'aise. Et toi, qu'est-ce que tu ressens par rapport au confort, vu que toi t'as conduit la Golf? T'avais la Golf avant, est-ce que pour toi le confort de la BM c'est mieux que la Golf ou pas? Bah, juste la Golf, on avait les sièges sport, donc c'est des semi-baquets. Ouais. Là on est aussi sur des sièges sport, donc M Performance. Ouais. Semi-baquets, par contre ils sont tout électriques. On peut gérer la profondeur du dossier en gros. On peut, d'accord, le dossier. Les maintiens sur les côtés, on peut les gonfler ou les rétrécir suivant la corpulence du conducteur. D'accord. Donc non, c'est top pour le confort. D'accord. Bah là, dès que tu peux faire demi-tour, on va faire demi-tour, c'est vrai. Mais alors d'aujourd'hui, c'est vraiment la voiture aboutie pour toi. C'est vraiment ce que tu recherchais, quoi. Ouais. Bah déjà la Golf, c'était vraiment abouti. Ouais. Mais là, c'est un cran au-dessus, largement. C'est autre level, quoi. Ouais. C'est un autre level, ça c'est sûr. On va laisser passer la petite demoiselle qui était bien charmante, ceci dit. On va essayer de la rattraper pour essayer d'avoir son numéro, frérot. Donc, je rigole, je rigole, je rigole, je rigole. C'est pour toi, moi je suis. Toi c'est trop tard, toi t'es marié. Ouais. Ah, c'est quand même autre chose au niveau. Ça a rien à voir avec le confort de la Golf. Et là, par contre, est-ce que tu peux nous donner, on va pas donner le prix que tu l'as payé parce que ça se fait pas. Est-ce que tu peux donner une fourchette de prix? Alors d'aujourd'hui, ça cote combien? Si tu le sais, bien sûr. Il faut savoir qu'il y a un tout
tout petit peu plus de 1000 euros de carte grise. Ouais. Parce qu'elle fait 22 ou 23 chevaux fiscaux. D'accord. Donc ça commence à... commence à causer, hein. Commence à chiffrer un peu niveau carte grise. Il y a 3000... ouais, quasiment 4000 euros de malus. Ah oui. Ouais. Donc, ouais, c'est pas négligeable à l'achat de la voiture, faut y penser, quoi. D'accord. Et après, ouais, je l'ai touché, je l'ai payé un petit peu plus de 40. Avec carte grise, tout bon. Ouais. Ok. Ah oui, ça fait quand même un budget, quoi. Et t'as réussi à bien la vendre, ta Golf, quand même? Ou pour toi, c'est un bon investissement d'avoir acheté ça? Vu que c'est la dernière en 6 cylindres, ouais. Je pense que ça peut être amené à coter plus cher dans les années. Dans les années à venir, quoi. Ouais, parce que là, je pense que BM est sur la voie de à peu près tous les constructeurs automobiles à électrifier massivement, à ne plus sortir de gros moteurs, des V6, des V8, des V10, il y en a déjà plus. Ouais. Par chez Lamborghini, Ferrari, tout ça, mais. C'est ça. Mais je pense que ça va coter dans quelques années. Ouais. Si on prend la M5 V10, ils en ont jamais refait. Non. Et c'est en train de prendre une cote incroyable. C'est vrai que maintenant ça prend des cotes. Il n'y aura plus des grosses berlines comme ça avec un V10 Lamborghini dedans. C'était à l'époque, ça. Et ça, c'est des voitures que tu vas malheureusement acheter à l'heure d'aujourd'hui. Ça va être des voitures que tu vas payer une blinde. Ça va être horriblement cher, je pense. Je vais vous filmer un petit peu ma tronche pour que vous voyez un peu mon ressenti quand Sylvain effleure la petite pédale de droite. C'est franchement, les amis, tout à l'heure je vous montre la route, mais ma tête aussi c'est beau à voir quand même. Parce qu'à mon avis, je dois tirer une de ces tronches quand t'accélères, mon chef. Ah, ça se couillotte hein, quand même. Hein. Ça sautille un peu, mais ça va. Ça va, c'est. Excusez-moi les gens si je vous ai donné la nausée et avoir la caméra qui bouge dans tous les sens. C'est assez compliqué pour moi de tenir la. Et je préfère préciser, on respecte les limitations de vitesse, pas plus de 92 km/h. Donc voilà, bah, Sylvain, on va faire demi-tour et puis on va rentrer. Au point de départ. Ça va, j'ai pas chopé la nausette. Ça va, je suis pas malade là pour l'instant. Ça va. Mais c'est impressionnant comment ça répond, quoi. C'est un truc de fou. Que tu as une ligne complète, vu comment ça sonne, ça devrait pas sonner comme ça, juste un silencieux. Je sais pas, franchement, je sais pas. Faudrait regarder quand même. Un peu les branches quand même. Voilà. Et ben, ce qu'on va faire, c'est que tu vas m'arrêter là. Ouais. Puis tu vas faire une petite accélération, et puis comme ça, on clôture notre belle vidéo là-dessus. Alors, les amis, on se retrouve tout de suite à l'extérieur du véhicule. Ben Sylvain, c'est quand tu veux. Hein. On va attendre que notre cher ami. Bon, les amis,
N'oubliez pas une chose, d'aller vous abonner un maximum de... Allez vous abonner tout simplement un maximum. Excusez-moi, je bégaye, c'est les accélérations de cette belle voiture qui m'a un petit peu mis sans voix. Donc je vous souhaite à tous plein de bonnes choses. Prenez soin de vous, faites attention à vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis. Et activez la cloche. À bientôt. Ciao.